Mutter. Pas trop bien le système là par rapport au volant. Ça c'est pas pour dire ça. En plus ça doit être le ramadan et ben les arabes ils font tout en merde. Putain l'épicerie j'ai laissé trois papiers, tu sais que tu veux qu'ils prennent les papiers. Juste pour faire chier. Ok, bah j'en ai bien aujourd'hui. Bon bah tant pis. Il doit être gentil, j'ai même fait le premier jour du ramadan. Il faut toujours que ce soit un arabe qui t'emmerde, c'est tout. Tu laisses un papier, c'est parce que t'as confiance. C'est quoi le truc? Il faut toujours que tu t'emmerdes, c'est le plaisir de faire chier. Alors, ça veut dire quoi? Bon, ça veut dire que, comme leur prophète, il est arrivé 600 ans plus tard, ils ont 600 ans de retard à l'allume-âge. Tu comprends? C'est comme quand tu règles un moteur. Et en fait, il ne faut surtout pas changer la combustion, tu vois. Moi je fais par solidarité. Je suis pour tout le monde, tu vois. Mais il faut toujours qu'ils fassent chier. Les collabos, tout ça. Si tu laisses deux papiers, c'est parce que t'en as besoin. C'est pas pour qu'on t'emmerde. Enfin bref. C'est relou, 16h03. Bon, je vais me diriger à mon rendez-vous. Je vais faire un petit film devant le franc-maçonnique, sa mère, là. Évidemment qu'il y a des jambons là-dedans. Mais c'est du petit niveau, c'est des esclaves. Tu vois. Mais au haut niveau, comme au gouvernement, que je vois un gouvernerait, comme le discernement, que ça y est, je discernerai. Un mensonge collectif, c'est pas ça la vie sur terre. Vous montez tous pour de l'argent, vous vendez tous vos âmes. Moi ça se vend pas, ça s'achète pas. C'est du coup je viens et j'avais le papier de la poste, vas-y, j'avais une cotisation sur l'entité. Alors là j'aimerais bien savoir ce que c'était. Ah bah les papiers ont disparu. Bon, peut-être je les retrouverai ce soir, tu vois. Mais c'est toujours quand on a besoin que... Tu me diras, j'avais qu'à pas les laisser. Je lui dis, bah c'est bon, ici en bas, tu sais que tu veux qu'ils me prennent trois papiers de merde. S'il y avait du pognon, je comprends. Mais moi, il n'y a jamais de pognon. Il y a du pognon un jour par mois. Et puis j'avais une cotisation, genre, Virgin Megastore. Virgin, je crois quoi. Morceau d'enculerie, ceux qui m'ont raboté 82 balles, mais j'ai jamais cotisé à une assurance téléphone mobile. Ils m'ont donné un téléphone, il a marché un jour. Je n'ai jamais signé pour une assurance. Il a marché un jour, pourquoi? Parce que c'est comme à la banque. Quand tes fichiers interdits bancaires, bah tes fichiers interdits portables. Parce qu'il n'y a plus personne qui pense, c'est des machines maintenant. Tu vois. Ils disent qu'il va y avoir du boulot, mais ils robotisent tout, ils automatisent tout. C'est du mensonge. Enfin bref, ça y est, j'arrive en place bientôt là. Je vais encore dire un truc, je crois bien.